Bon, les amis, on va commencer parce que ça y est, frère, j'ai un jeu d'horreur à jouer après et j'ai une vie surtout. Les gars, c'est trop bien, on se fait des copains. Allez, hop, mettez-lui un ban direct. Ça, hop, voilà. C'est parti, les gars! Il a confondu le concept avec un essai de ne pas rire et pourquoi il gagne un VIP, frère! Eh ben la vie d'Ouam, il a gagné son VIP? Ok les gars. Eh ben vous allez vous manger la vidéo, voilà. Et on rentre. Brigitte. C'est ce qu'il y a de meilleur à la cantine. Avera, Avera. Ah ouais, viens, ce sera bien. Les gars, c'est trop bien. On se fait des copains. Cringe. Les gars, Tommy, envoie-moi ton pseudo. Envoie-moi ton pseudo en privé, je vais te mettre VIP. Terrible, frère, vraiment terrible. Sasuke, il va te faire une buzz cut. Non, pas une buzz cut. Eh oui! Le coiffeur boucher va te faire une buzz cut, Sasuke! Il va te faire des contours bien soignés et tu vas rejoindre Esteban et Gaëtan dans l'Akatsuki. Deux points. Carrément, c'est devenu une menace de l'Akatsuki ou quoi? C'est quoi ce bordel? 1-0. Oh mon dieu! J'ai même pas eu le temps de dire Bismillah. Eh bien, je préfère encore qu'on me fasse une machina qu'une telle atrocité. C'est quoi une machina? Désolé, Cassoulet. Il n'y aura pas de prochaine fois. Rien à foutre de ta dépression. Les gars, c'est quoi? Attends, c'est le coiffeur derrière ou pas? En fait, envoyez-moi des vidéos buzz cut parce que le problème, c'est que moi j'ai pas suivi la trend et on a fait que des jeux d'horreur en live. On n'a pas fait de react depuis au moins 3 semaines. Donc je n'ai pas les refs. Oh, je suis foutu. C'est plus un dégradé, c'est une dégradation. Alors mon gars, t'aimes bien ou pas? Est-ce que j'aime bien? T'as vu, on a réussi à faire des contours malgré que t'avais des petits épis. Ça va commencer ici et ça va péter. Péter! Regarde mon genou. Les gars. En vrai, attendez, je vous trouve Les gars, vraiment, je vous jure, j'ai été chez le coiffeur un jour et je crois que j'ai eu pire que la buzz cut. J'ai besoin de votre avis, attendez. Les gars, je regarde. Oh ouais, ok. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, ne jugez pas, hein. La vie d'Ouam, ne me jugez pas, attendez. J'ai hâte de voir. Non, non, les gars, vraiment, c'était trop grave. Hop, je vous la trouve en deux spi. Tac. Et comment je fais là? Merde. Les gars, comment je fais pour trouver sur mon profil? Média? Attendez. Les gars, la vie de ma mère, me jugez pas. Je veux aucun jugement sur ce que je vais vous montrer. Les gars, je suis arrivé chez le coiffeur. C'est pas, il avait l'air serein. En gros, il m'a dit, aujourd'hui, je suis occupé, mais il y a un nouveau, il est là aujourd'hui, t'inquiète, il va vraiment faire une dinguerie. Vous voyez ça? Quand ça vous arrive, les gars, si le coiffeur vous dit, t'inquiète pas, le nouveau, il va te faire une dinguerie, c'est un bon, fouillez, les gars. Vraiment, partez loin. Partez loin, j'ai demandé un dégradé, les gars. J'ai demandé un dégradé, j'ai eu une dégradation, frère. J'ai eu une dégradation, frère. Et ils m'ont même pas rendu l'argent, les gars. Je suis allé chez ma daronne avec cette coupe. Je vous jure, elle m'a dit pars. Elle m'a dit reviens avec une autre coupe, là. T'es beau, arrête. Les gars, j'ai demandé un dégradé. Il m'a rajouté des cheveux blancs, frère. Genre, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Heureusement, je suis reparti après, il a refait ça bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il a refait ça bien. Le lendemain, je suis parti me plaindre. Hein. Le lendemain, je suis parti me plaindre. Regarde le gars qui a rattrapé. T'imagines? Il avait ça. Il a rattrapé en ça. Non, beau gosse. La carré, voilà, j'ai la coupe. Non, je vous jure, les gars, ne faites pas confiance au nouveau coiffeur et qui reste là à nettoyer les cheveux par terre et à prendre de l'XP avant de... Voilà. Ouais, dites juste, vous savez c'est quoi la strat?
Vous avez juste à dire, non, malheureusement, j'ai l'habitude de me faire coiffer par lui, donc tranquille, j'attends mon pote. Bon, les gars, Mariam, vidéo masterclass, Je regarderai pas cette vidéo sur la tête d'Ouam quand ça va. Frérot, sur la tête d'Ouam quand ça va sonner, je vais faire un sprint. Ah ouais. Même Mbappé, il va être choqué. Ah, sur la tête d'Ouam. Non, 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 que personne ne bouge. On n'a pas fini les cours, donc vamos a continuar. Comment ça, on continue? Elle court. Oh, Shakira, t'es au courant qu'un cours, c'est 1 heure, pas 3h15. Waka waka, eh. La tête d'Ouam, son cours, il est interminable avec ses 14 CO. On commence le cours le mardi, on finit le dimanche. Même le gainage, ça va plus vite. Par contre, jeune homme, tu vas me hablar meilleur. Mais Shakira, écoute-moi, t'es là, tu roules. Je prépare la roue, hein. Tu roules du cul toute la journée. Quoi? Là, tu me fais... Allez, ça y est, frère, ça y est. Ça y est, on rigolait bien avec les buzz cuts, tout ça. Prends-toi un petit ban jusque GTA 7. Voilà, ça y est, frère, tu nous as fait perdre. En même temps, t'as fait perdre à moi et à au moins 200 personnes dans le chat 45 secondes de notre vie. Donc, la vie d'Ouam, que franchement, tu t'en sors bien, mon petit loup. Avec ta prof d'espagnol, là. Avec ta prof d'espagnol. Les gars, vous avez eu une prof d'espagnol ou pas? Moi, j'ai choisi option espagnole quand j'étais petit. La vie, je me suis fait des films. Le soir, avant le premier jour de la rentrée, je me suis dit, frère, ça va être comme dans les films. Elle va être trop belle. Elle va m'apprendre l'espagnol. Je vais écouter tout le cours. Je suis arrivé, les gars. Hey, c'était une daronne. C'était une bonne daronne, frérot. Voilà que j'avais grave le seum. J'ai pris option espagnole juste pour ça. Et ouais, j'ai rien eu. J'ai eu l'inverse, frère. Holy crap, I'm in Fortnite! Shut up, bitch. Say hello to my little friend! Let's go! Another one. Daddy, chill. No! 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 Got him. Hello, bozo. Don't do it. Vous voulez des bannes ou quoi? Vous voulez qu'on change le concept? Vous voulez qu'on fasse un jeu? Ah, essayez de ne pas cringe! Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, là. Allez, hop, prends-toi une petite semaine de ban. Va en piche, frère, pendant la semaine de vacances, là. Qui est en vacances dans le chat? Toi, là. Hop. Je vais mettre quoi? Voilà, hop. Ça, c'est quand je sais que je dois ban. Hop. Voilà. Prenez tous vos bans. Jamel, t'es mon pote. Les gars, Jamel, c'est mon frère. Et il faut qu'on fasse un live avec lui. Mais j'ai déjà tout vu. Les gars, mais vous m'envoyez des best-of? Mais c'est une blague ou quoi? Le gérant, seul face au groupe de malfaiteurs. Le gérant, seul face au groupe de malfaiteurs. En fait, pour le même prix, j'aurais pu me prendre une balle. Mais Didier, le patron de la boutique, garde son calme et tente un coup de poker. Je vous redis clairement. Pub, vous êtes pubède. Attendez. Vous avez la pub. 34 pubs, let's go. Eh, les riches du chat qui sont sub, foutez-vous de la gueule des autres. Les pauvres. On est entre riches, là. On est entre riches. Yo, le maître, ça va? Big Ben. Évidemment que ça va, frérot. On n'a pas de pub. Qu'est-ce que tu racontes? McFun, ça dit quoi, mon frère? Ricudo, hein? Ça dit quoi, Nafti? Les gars, hein, les riches? Bon, allez. Le gérant, seul face au groupe de malfaiteurs. En fait, pour le même prix, j'aurais pu me prendre une balle. Mais Didier, le patron de la boutique, garde son calme et tente un coup de poker. Je leur dis clairement, c'est pas à 15h qu'on braque, c'est à 18h30 qu'il faut me braquer. Là, tu vas me prendre 1000 balles et puis en face, tu vas peut-être prendre plus. Persuadés par Didier qu'ils ramasseront un plus gros pactole en fin de journée, les voleurs quittent le magasin. Immédiatement, le gérant contacte... Alors quoi? Il est rentré dans leur tête carrément. Il a donné un conseil. Oh, oh, les gars, oh. Il est 15h30, bande de chiens. Le pire, c'est qu'ils sont partis. Ils ont fait, putain, c'est réel. Les gars, s'ils reviennent, c'est les plus gros trous du cul que j'ai vu de ma vie. Hein. Police, qui peine à croire au scénario. La police me dit, monsieur, ils vont jamais revenir, c'est pas possible. Ils disent, sous quel prétexte vous pensez que oui? Je suis bon vendeur, mais je pense que je suis pas sur des lumières. Enfin d'après... Putain, c'est en Belgique. Mais non. Putain, frère, hey, tu vois ce genre d'histoire? Que ça se passe dans mon pays, frère? Évidemment, frère. Putain, c'est une dinguerie, gros. C'est qui a voulu le braquer? C'est Jean-Fils ou quoi, frère? Midi,
Plus motivés que jamais, les braqueurs reviennent. Mais le dispositif policier n'est pas prêt. Didier doit alors gagner du temps. Je sors du bureau et je l'engueule en lui disant « Faut t'acheter une montre, 18h30, c'est pas 17h30, dégage. » Et ils repartent. Attends, quoi ? Ils sont revenus deux heures plus tard. Les gars, pour moi, je pense le vendeur, il c'est un mytho, frère. Non, ça y est. Je pense, les gars, le vendeur, c'est un gros mytho, frère. À quel moment ? Genre, les gens, ils sont revenus deux fois pour braquer. À 15h30, 17h, ils reviennent. Genre, en mode... Ouais, c'est où ça va à marre, vraiment. D'être découragé, les voleurs reviennent une troisième fois. C'est à cet instant qu'ils sont enfin Non, mais les gars, ça, oui, quand même, ça veut dire que, genre, en mode, à 18h30, il y avait les policiers qui sont venus. 18h30, les policiers sont venus, ils sont rentrés en prison, frère. Ils sont venus braquer trois fois en une journée. Mais ils sont trop cons, frère. Vraiment, ils sont trop cons. Soit cette histoire, en fait, elle est vraie, hein. En vrai, putain, c'est ce que je fais de ma vie, frère. Magnifique, 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 les Belges. Le gérant. Je vous aime. J'ai vraiment lâché ça comme si j'étais français, hein. Je suis avec vous. Je suis totalement à Bruxelles, là. C'est quoi, ça ? Wario mange du shampoing. Let's go! Not bad! What? Minimum jusque GTA 6. Minimum tu mérites. Non. Oui! Oui! Let's go! Let's go! Mon frère! Mon frère! Ça fait plaisir. Attends, il est sub. Ah non, c'est bon, il est pas sub, c'est Axolt. Oh, Axolt. Frérot, tu reviendras le jour J quand on lancera GTA 6. Tu pourras revenir. Hop, carrément, je rigole. Tu pourras revenir le jour du Let's Play de GTA 6, mec. Ah là 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 là, putain. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte que tu viennes, frérot. Trop hâte. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive quand vous allez dans la cuisine? Et hop, il se retourne, les gars. Bon, vous voyez plus du Théo de Babac, j'ai déjà tout vu. J'ai déjà tout vu, les gars. Bon, papa, il est là, tu me fous pas la honte. Oh, ça va, tu connais ton père. Hein. Papa, je te présente Karim. Bonjour. Non, les gars. Les gars. Non, je pensais que ça allait être encore avec le gars asiatique. Bon, papa, il est là, tu me fous pas la honte. Oh, ça va, tu connais ton père. Hein. Papa, je te présente Karim. Bonjour, monsieur. Malekou Choukram, Karim. Installe-toi. Fais-moi dire merci, ton père. Je sais pas. Alors, elle est machallah, ma fille. Hein. C'est ma guerre à moi. Wesh! Comment vous expliquer que c'est vraiment pas le mot adéquat pour dire Ouais, voilà. Charté ou Ipsy, c'est quoi ton père? Charté, Karim. Bon, par contre, cette vidéo est un bon tremplin pour que j'en vienne. Voilà, on va en discuter, les gars. Les gars, pendant le ramadan, oui, on ne peut pas boire de l'eau. Voilà. Oui, on ne peut pas manger du matin au soir. Non, on pue pas de la gueule. Ça y est, les frères, on en a marre. Chaque fois pendant le ramadan, mais tu ne peux même pas boire une goutte d'eau. Une goutte d'eau, tu ne peux pas boire. Mais c'est grave, c'est super grave. Et si tu avales ta salive, tu peux ou c'est raté? Ça y est, les gars, arrêtez, stop. Les règles sont simples. Tu ne peux pas manger ni boire du lever du soleil au coucher du soleil. Chaque journée. Alors du coup, si t'avales ta salive, c'est perdu. Ils ont cru que c'était un jeu, frère. Stop, laissez-nous tranquille cette année, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon. Je vous en supplie, chat. Laissez-nous tranquille. Tu touches à la TV pendant que ton père dort. Et je sais pas comment ça se fait. Attendez, vous voyez pas sa réaction? Bah bien joué. Je vous jure, Valorant, les gars, je vais faire des lives dessus, les gars. Vraiment, c'est trop une dinguerie.
En fait, quand tu lances des games de League of Legends, tu sais pas qui y a derrière. Mais tu vois, là, j'ai 26 ans. Je lance une game de Valorant à minuit où j'ai envie de tryhard mes grands morts et j'entends des gosses de 10 ans au train de s'insulter. Alors que moi, j'ai 26 ans. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie, frère. C'est le jeu du démon. Nice, groupe. Mais moi, je sais pas insulter les gens, frère. Je suis cool en insulte. Et va sucer les seins de ta mère et ferme ta gueule, fils de pute, là. Ta gueule, enfant de putain. Tu verses les couilles à tout le monde, fils de pute, bah. Oh. Ta gueule. Eh, je vais t'attraper, s*****. Tu l'as. C'était quoi, t'es en 5-9, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, mon gars, ferme ta gueule, c'est pas croyable. Jules, ferme ta putain de gueule de fils de putain. Ta mère a des énormes moustaches, je suis en train de t'éter, là. Ferme ta gueule. Wesh. Apprends à jouer, fils de putain, va. Ferme ta gueule, laisse les gens jouer. La PixLC, ma mère est une pute et je lèche des pites. Ferme ta gueule, putain. Ferme ta gueule. Oh. Ta mère est une putain. Tu fermes ta gueule. Oh là là. Les gars, il a vraiment dit, mais je sais pas insulter. Il a débité 30 secondes. Il a débité 40 secondes même. Presque une minute d'insulte. Personne ne m'a jamais insulté comme ça de toute ma vie, mec. Je suis trop nul en insulte, genre. Il a plié un classique. Il a plié un classique en insulte et après il fait genre qu'il est trop nul. Frère. En 1v1 insulte, je vous jure qu'il me fout droit. Voilà, je le dis. Il me défonce, frère. Comment ça, t'étais les seins de sa daronne? Il est malade, ce gars. Le perfect. En même temps, les gars... Et en plus, après, t'as les deux gosses. Big CC, tu fais du 3-9. La plus grande rage du siècle. Non, franchement, il est chaud. Non, franchement, il a été chaud. Il a été chaud, les gars. Les gars, Valorant, c'est le jeu du démon. Il y en a qui jouent à Valorant dans le chat ou pas? Est-ce que je devrais lancer des games de Valorant? Il m'a rendu mon portefeuille. Est-ce que je devrais carrément me lancer des games de Valorant, les gars? Il m'a dit, moi, c'est ça. Il y en a beaucoup qui jouent à Valorant. Ça vous intéresse des streams Valorant, genre? Dans la semaine? Il m'a dit, c'est soit moi, soit FIFA. Alors fais le bon choix. Alors évidemment, j'ai fait le bon choix, j'ai quand même choisi ma femme, ça reste quand même la femme que j'aime, ça va être peut-être la mère de mes enfants, tout ça, à un moment donné. Ouais, mis dans celle-là, les gars. Il m'a dit, c'est soit moi, soit FIFA. Alors fais le bon choix. Alors évidemment, j'ai fait le bon choix, j'ai quand même choisi ma femme, ça reste quand même la femme que j'aime, ça va être peut-être la mère de mes enfants, tout ça, à un moment donné. Flop. Ok, je pensais que j'étais aigri. Je pensais que j'étais aigri, mais finalement, vous m'avez... Ça va, ouais, mais c'est pas... Est-ce qu'on rigole? Non, putain. Non, en fait, les gars, c'était un flop. Enfin, c'était drôle. C'était drôle, les gars. C'était drôle de ouf. J'ai lancé la roue sans faire exprès. On est parti pour la suite. C'est quoi? C'est vraiment une dinguerie. Lumous, envoie-moi ton... Attends, c'est Lumous ou pas? Mais non, c'est... Merde. Où est-ce que j'en suis, là? C'est X. Lumous, j'ai pas vu, alors. Car il m'a rendu mon portefeuille, mais je... Jour où ma nièce de 8 mois a embrassé un mec devant moi. Quoi? Oh, vous regardez. Quoi? Oh, je la regarde, toi. Tout ton regard, là. Je t'ai dit quoi? Gros, il se prend des coups de pression, il sait même pas dire papa. Il se prend des énormes coups de pression. Wesh. Les gars, je dois dire les termes. Il a plus de rise que tout le monde dans le chat là. Il a plus de rise que vous tous réunis, les frères. Là, tu lui fais un bisou, je te casse ta gueule. Wesh. Et en direct, Blarney. Oh là, il se fait un bisou. Oh, starfoula. Wesh, t'es dans ça, toi. Oh, je suis choqué. Oh, tu m'as choqué. Il l'a attrapé comme un sac. Il l'a déplacé juste à gauche. Elle est perdue déjà. Ah, t'es dans ça, toi, en fait. Ah ouais. Oh, Bernard, tu sais pas de quoi je parle, hein. Ah, ouais. Ah, c'est dingue, frère. Il l'a pris comme un sac, mais vraiment, moi, tu me parles pas d'âge. Eh, hey, le gars, il voulait rien entendre. Il voulait juste concrétiser, les gars. Il voulait vraiment rien entendre du tout, les frères. Il avait pas le temps.
Bonjour, demain c'est la rentrée et donc un soulagement pour les parents. Monsieur, cela vous tarde? Ah, j'en peux plus. Je vous comprends. Et du coup, vous avez fait les fournitures? Bien sûr. Starfala, frérot. Vraiment, mais eux, ils vont réussir à faire ban ma chaîne, voilà, je le dis. Voilà, frère. Eux, encore 2-3 vidéos et ça y est, c'est... Merci pour la carrière, les gars. Respect. Pauvre moi quand je vais réclamer des gâteaux arabes à mes potes musulmans pendant le ramadan. Mais c'est dingue. Mais qui pense à ça? Genre vraiment, il y a des gens non musulmans qui se disent dans un mois c'est le ramadan, je vais me mettre bien bien bien. Et ils pensent plus au ramadan que nous, frère, carrément. Salam alaikum les pâtissiers. Eh, par contre, lui, il veut manger. Hein. Lui, il veut manger, les gars. 1 minute 7, c'est que ça. C'est en boucle. Mais comment ça se fait, frère? Comment ça se fait que le watch time, il fait 283 000 likes? 283 000 likes, il a mis ça en boucle. Putain, et il a gagné de l'argent, les gars. Je vais vous le dire tout de suite. Hein. 2,3 millions. Les gars, il a gagné 1000 balles. Le gars, il a gagné 1000 balles. Faites aussi des mèmes, les frères. Mettez-vous bien sur TikTok, les gars. Il y en a qui se mettent vraiment au max. Est-ce que c'est celui qu'on a vu? Les gars, vous kiffez les gâteaux arabes, vous? Moi, je dois vous avouer quelque chose. Sisma de Lemed. Non, mais c'est une dinguerie, ça. Plus jamais. Ça passe, je vous jure que j'ai l'impression que les gens qui sont pas arabes, c'est ceux qui préfèrent le plus les gâteaux arabes. je sais pas comment vous expliquer. Genre quand je vois des noms rebeux, voire des gâteaux rebeux, ils sont en mode waouh, j'ai trop hâte. Alors que moi, je déteste ça, les gars. Même corne de gazelle, même tous les gâteaux, les gars, je trouve pas ça bon. Autant, voilà, les gars, couscous, tagine, tout ça, on est les maîtres dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est monstrueux, la bouffe arabe est monstrueuse. Mais il faut dire les termes. Les gâteaux marocains ou rebeux, ce que vous voulez, c'est pas zinzin, quoi. Après, c'est mon avis. Le maître vient t'expliquer en vocal, là. C'est mon avis, les gars, c'est mon avis. C'est mon avis, wesh. C'est mon avis. Si vous êtes pas d'accord, subez-vous. Voilà. Je veux dire, c'est comme ça, les gars. Lâchez un sub et me rendez pas fou. Toi, en couple ou célibataire? Putain, c'est ma faute. Wesh. Du coup, toi, en couple ou célibataire? Je suis en couple. Depuis combien de temps? Ça va faire 9-10 mois. Pas mal. Est-ce que t'as des petites techniques pour draguer? Pour draguer? Bah, je pense que c'est important d'être soi-même déjà. Comme ça, on n'envoie pas des signaux qui sont faux et puis y a pas de mauvaise surprise. Est-ce que t'as déjà eu un date foireux? Genre un date où tu t'es dit, oulala, là, c'est un peu compliqué. Pas spécialement, non. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour s'enfuir justement d'un date compliqué? Mais les gars, quoi, tu m'apprends à draguer? Qui m'a envoyé ça? Tu m'apprends à draguer, frère? Tu m'apprends à avoir du riz? Et le mec m'a dit, regarde ce TikTok, tu vas rire, je pense. Mais toi, mais carrément, toi, on va te... Regarde. Est-ce que je peux le ban pendant un certain moment? Je vais casser quelque chose, les gars. La vie de ma mère, je vais casser quelque chose. La vie de ma mère, je vais casser quelque chose. Ça, c'est... Vraiment, c'est du grand n'importe quoi, là. Tu fais quoi? Vraiment, je sais même plus quoi vous dire, les gars. Vraiment. Les gars. Oh! Bon! Attends, ça te dit un jour action ou vérité? Aïe, action ou vérité? Action. Prends tes affaires et casse-toi. Maman, tu te souviens quand tu me disais tu manges pas de fruits, tu manges pas de fruits? Tu sais ce que j'ai fait tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as fait? Une chicha pomme pastèque. Papa, Mia Khalifa et Wiz Khalifa. Ouais, et le Burj Khalifa, c'est leur maison. Ça sent bizarre, Yas, t'as marché dans la merde ou quoi? Ah ouais, excuse-moi, je t'ai pas vu. En vrai, les gars, je sais pas si c'est fake ou pas, mais en vrai de vrai, les blagues sont pas mal. Même si c'est fake, les blagues, elles sont bien. Mamie, à la question 8, il y a écrit « Justifiez votre réponse ». J'écris quoi? Écris « Wallah ». Papa, quand tu me vois comme ça là, tu penses à quoi? À un bon vin. Parce que je vieillis bien? Non,
parce que tu me saoules. Les gars, par contre, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais à l'époque, Just Riyad, il faisait pas mal de vidéos avec sa daronne. Et il la montrait pas et tout, et elle répondait aussi des trucs pareils. Et ça me terminait, les gars. Vraiment, les daronnes, c'est quelque chose, les gars. On aime trop les faire chier un peu, mais qu'est-ce que c'est drôle. Leurs réactions sont drôles, en fait. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les gars. Un jour, une question. Quelles sont les langues les plus difficiles dans le monde? Attends, quelqu'un a compris quelque chose là? Quelqu'un a compris quelque chose? C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie de parler comme ça. Mais c'est un flop à déchiffrer, à oublier surtout, les gars. Malheureusement, à oublier. Petit ban une heure. Voilà, il va s'en sortir, les gars. Vous inquiétez pas pour lui. On est parti. On fait croire à notre père qu'on boit du produit ménager. Papa, t'as soif? Ça, c'est du détergent. J'en suis pas encore au point de boire du détergent. C'est pas le daron qui a cru qu'il y avait la guerre aux informations, là? Arrêtez ça, arrêtez de jouer avec des trucs comme ça, c'est dangereux, ça. Hé, mon gars! Donne-moi ta foi, là! C'est beau, ça. C'est bon. Mais ça... Tu mets le bois, arrête, ça. Ah ouais? Mais ça, c'est du cyanure! C'est aussi dangereux que le cyanure! Mais, c'est rien! Vous allez vous détruire! C'est bon. Mais vous êtes des bandits, je vous aime trop, quand même! C'est bon. Mais... Mais fais-moi confiance. Si tu me dis encore de goûter ça, ça c'est du poison. Mais vous allez vous détruire. Non, lui le pauvre, les gars, il se prend trop des pranks dans tous les sens, miskin. Laissez-le, faut le laisser tranquille, jure Mr Anderson, frère. Top 3 des victimes de chez Golden Barber. Attends, mais comment ça? Les gars, il y a des top 3 qui sont tombés carrément. Axel, le buzz cut catastrophique. Ce client pensait obtenir une coupe simple. Putain, vrai, sa coupe, elle était banger avant. Miskin, sa coupe, franchement, elle envoyait. Hein. Il avait des beaux cheveux, la coupe, elle était bien comme il fallait. Mais il était reparti avec un buzz cut qui semblait avoir été réalisé par un chalumeau plutôt que des ciseaux. Maintenant, il ressemble à un œil. Avec sa tête là, like la vidéo pour soutenir Axel. Numéro 2. Putain, c'est pas des couilles. Il ressemble vraiment au Mi, frère. Tête là, like la vidéo pour soutenir Axel. Numéro 2. Oh. Gaëtan, le buzz cut bricolage. Ce client avait l'air nerveux dès le départ. Et pour cause. Le coiffeur, manifestement pressé, lui a donné un buzz cut tellement irrégulier qu'il semblait avoir été coupé avec un coupon. La victime Gaëtan s'est fait charcuter le crâne par un boucher, avec sa tête là qui rend hommage à Bart Simpson. Et enfin, notre numéro 1, Esteban, chef de la calvitie. Le buzz cut, catastrophe suprême. Ce client avait vu les avertissements sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas possible. Il a été après genre. Mais il pensait que ça n'arriverait pas à lui. Malheureusement, il est reparti avec un buzz cut si court qu'on aurait dit qu'il avait perdu un combat avec un jardinier. Transforma Esteban au méchant de Toy Story. Oh là là, les gars, c'est trop une dinguerie. Les gars, le coiffeur, en fait, il faut qu'on écoute son interview après, parce que pour moi, les gars, il est raciste. Hein. Pour moi, il aime pas les blancs, les gars. Je vois aucune autre raison pour laquelle il est en train de tout rater, gros. C'est pas possible. Vraiment, c'est impossible. Il a l'air professionnel, il a l'air d'avoir ses trucs, etc. C'est pas possible. Il n'aime pas les blancs, je crois. Oui, bonjour. C'est bien monsieur Axel Kitchen au téléphone? Oui, on dit bonsoir. Il est 18h passé, donc c'est bonsoir, monsieur. Pas de soucis. Dites-moi, j'ai un problème. J'ai envie de devenir millionnaire. C'est quoi le secret? Mon yo, t'es plus grand que votre problème. Le secret, c'est que t'as un moins que rien. Tu donnes pas les moyens. Attends, mais mec, me dites pas que c'est réel. Il y a vraiment un numéro Alex Kitchen. C'est quoi cette merde? Attendez. T'as fait quoi à 11 ans? Bah rien.
Voilà. Est-ce que vous vendez des formations du coup ou pas pour réussir? Bien évidemment, je t'aurais même pas répondu au téléphone. Le temps, c'est de l'argent. Et le temps, il a pas le temps pour le temps. Formation milliard, qui va te permettre d'avoir le milliard d'euros en l'espace d'un an. Bien, y a pas de souci, monsieur Kitchen. C'est quoi vos citations préférées? Puisque, enfin, vous êtes un exemple pour moi. Être né pauvre est une chose, le mourir en est une autre. Un millionnaire a qu'une chose à faire, devenir milliardaire. À quoi sert ton million si tu prends perpète? Je... Putain, avec Miskin, Alex Kitchen, frère, c'est trop une dinguerie. Les gars, moi, je me dis, il y a du monde qui regarde Alex Kitchen, il y a du monde qui regarde Yomi Denzel. Les gars, premier degré, dans le chat, qui regarde ce genre de contenu? Dites-moi la vérité, qui dans le chat regarde ce genre de contenu? Mais là, Femi Mars, 8 mois. Femi, t'as pas honte? Tu fais quoi? Tu fais quoi là? T'es pas en live? Ma nièce, putain, mais attends, mais Master, mais tu m'as envoyé la vidéo combien de fois toi? Moi, je regarde. Femi, quand il parle dans un chat Twitch, je vous jure, c'est un viewer. Il a toujours. Il répond que avec 4 mots. Raconte un peu ta vie, fais quelque chose, frère. Moi, pas moi. Les gars, j'ai oublié la question que je vous ai posée. Ah oui, ceux qui regardent Alex. Tu vois, il y a quand même des gens qui regardent Oussama Hamar, Alex Hitchen. Et Yomi Denzel et tout, ils me motivent. Mais est-ce que vous êtes prêts à mettre de l'argent dans leur formation, les frères? Premier degré, je vous pose vraiment la question. Est-ce que vous êtes prêts à le faire, genre? Non mais frère, là, il y a rien qui va, gros. Tu m'envoies une vidéo, elle a 10 likes, 3 commentaires, c'est ton pote, là, frère. C'est ton pote, là. Putain, Femi, j'ai un chat de dégénéré, frère. En DM, j'ai la vidéo de l'année. Je vais regarder ça après, frère. Mais putain, mais je vais... En fait, je vais... Il faut que je me souvienne de où je suis. Flop, je le sens. Mais je vais même pas l'ouvrir, cette vidéo, les gars. Enfin, si, allez. Oh, les gars, imaginez 2 secondes, j'explose. Bah, tiens, toi. Tiens, prends ta roue. Prends ta roue. Premier degré, c'est un abonné. Hein. Je vous le dis, premier degré. Qu'est-ce qui m'a fait, Femi, frère? Salut, ça va? Ban 1 heure pour lui. Femi Mars qui m'envoie une vidéo, les gars. Salut, ça va? Je suis trop fan de toi. Est-ce qu'il y a moyen que tu réagisses à mes vidéos qui sont grave drôles? Les gars, flop ou pas? Flop ou pas? Le big, big flop. Waouh. Tu vois, Femi, tu m'as ban dans ton live Elden Ring. Regarde le ban que tu vas te prendre, frère. Regarde bien le ban que tu vas te prendre, là. Regarde bien. Non. Ah, c'est une dinguerie, ça. Oh, c'est une dinguerie, frère. Eh, retourne jouer à Elden Ring, frère. Retourne jouer à Elden Ring. Barre-toi d'ici, frère, ça y est. Putain, gros, à chaque fois je vais sur son live, je peux même pas rigoler un peu. On rigole avec le chat. Il me banne pendant des heures. Il vient ici, frère. Il me met des vidéos de merde. Je peux même pas le ban, gros. Je le VIP. Il est déjà VIP, frère. Il est déjà VIP. Ça y est. L'arabe du futur. Il y a vraiment, vous avez des blazes, les gars. C'est une dinguerie. Il faut juste que je... Ah ouais, ok, j'étais ici. Let's go. Ah non, c'est le TikTok de merde. Hop, je marche là, putain. Les gars, après, on va aller voir aussi les commentaires que j'ai eu sur la vidéo TikTok où j'ai dit j'aime pas One Piece. J'ai perdu 400 abonnés. C'est une dinguerie, hein. Plus personne n'entend parler de vous. Attendez. Ma, plus personne n'entend parler de vous. Qu'est-ce que vous devenez? Ben, ça va, Mdoula. J'ai fait les fêtes de Noël à Megève. Bonne neige, hein, bonne bouffe et un genre de l'an des folies. Ah oui, j'ai essayé le surf. C'est balèze, hein. Je me suis niqué à genoux. C'est trop dur le surf. Non, mais moi je voulais. Et là, j'ai profité des soldes à Paris. J'ai trouvé des escarpins en daim pour mon espèce d'écounasse. Ça va aller nickel avec sa burqa. Ouais, attends, mais et à l'ancienne, ils s'en battaient les couilles en fait, je pense. Ça a passé sur Canal Plus. Non, mais on s'en moque, vous êtes un terroriste. Ah, merci de le rappeler, si bien aimable, monsieur. Quoi? Plus personne parle de moi. C'est vexant. Je suis has-been ou quoi? Hein? Eh oui.
J'ai l'impression que l'actualité, c'est comme la Star Academy. T'y passes tous les jours à la télé, t'es tout en haut. T'y passes plus, t'es rien qu'une grotte. Bon, exagéré, là. Tu rigoles. Je suis comme la Louana du Loft. Il y a un an, tout le monde est voulu l'attraper dans la piscine et aujourd'hui, même à Franprix, ils la veulent pas pour la quinzaine des saucissons. Bah oui, mais faut faire des trucs si vous faites rien. Faut confirmer pour rester au top. Excuse-moi. Tu veux que je fasse 5000 morts? Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Non, on n'a pas oublié, vous êtes un monstre. Si quelqu'un, il a une antiparasite de 103 SP, il y a Omar qui a niqué le sien sur le Paris Dakar. Oui, bon, ça va, les petites annonces, là. Hein. Ben attends, pour une fois, je passe à la télé, je profite, hein, c'est normal, hein. Et spécial dédicace à Rich. Les gars, autant Oussama, les gars, gros chien de la casse, énorme chien de la casse, autant c'était pas drôle, les gars. Et pourtant, les guignols, ils sont très drôles, hein, d'habitude. Autant les guignols, je vous jure, ils sont très très... Non mais ça y est, frère, on va pas offrir des VIP à toute la terre ici, frère. C'était super drôle. On annule la roue, les gars, c'était méga drôle. J'ai jamais autant rigolé de ma vie. Vraiment. Mais non, pub. Oh. Ils sont où les riches du chat? C'est le moment de vous... Hein, de vous foutre de la gueule de ceux qui ont des pubs, là, les gars. Hein. Mettez-vous à l'aise. Oh non. Oh non. Les pauvres du chat qui vont pas pouvoir regarder le top 5 Scariest Jumpscare. Et j'ai même la flemme de regarder ça. Vraiment, arrêtez avec vos vieux top 5 là. J'ai déjà vu ça aussi. Pub quand, ouais, bah, les gars, quand vous avez des pubs, c'est pendant combien de temps? Vous avez combien de temps de pub? Une minute. Oh, des fois, il y en a 7. Arrête. Les gars, vous préférez des pubs ou la rediff en sub-only? Vous préférez des pubs ou la rediff en sub-only, les gars? Pub large. Voilà, dites-vous les gars que Femi Mars dans le chat, il met ses rediffs en sub-only. Hein. Les gars, Femi Mars dans le chat, il met ses rediffs en sub-only, les gars. Et personne dans sa communauté ne dit rien. C'est une dinguerie, les gars. C'est méchant. C'est une dinguerie de faire ça, les gars. Lil McQueen aussi? Waouh! Femi Mars et Lil McQueen. Eh ben, les gars. Ouais, ben moi, je dis que la France, elle va droit dans le mur. Parce que d'abord, il y a trop d'immigrés. Oui, oui. C'est quoi ce concept? Sans compter ces voleurs de Rome et ces terroristes de maghrébins. Wesh! Wesh! C'est quoi ça? Mais c'est qui est le plus gros raciste ou quoi? C'est quoi cette émission, gros? Et puis y'a plus de morale depuis que la dictature socialiste a donné le pouvoir aux pédérastes. Ah. Le Z, non! Même niveau économie, les vrais bons français tiennent plus rien! C'est vrai, quoi! C'est les Niakoué qui ont tout maintenant! Ils aiment presque autant de pognon que les autres, là! Non, Dieudonné! Ils jouent pain! Bravo, Kevin! Au dernier moment! Les gars, l'édit, c'est quelque chose, hein. L'édit sur cette vidéo, cette actrice. Larry, ça dit quoi, frère? Mais c'est quoi ça, frère? Je pense que c'était vraiment qui veut devenir raciste. Qui est le plus gros raciste de France? C'est l'émission. C'est vraiment l'émission, frère. Où est-ce que j'en étais? Ça fait là, mademoiselle. Ben, je prends l'air. Franchement, en fait, j'ai fait tellement de fois ce concept, je sais quand ça va être drôle ou pas. Carrément, je le sais. Tu vois, là, je sais, c'est pas drôle. Ça, je sais, c'est pas drôle. Carrément, je peux changer. Merci d'être venu. Eux, ils vont me faire ban. GG Wellplay, voilà. Bon, bah, en tout cas, merci d'être venu. Bah, merci à vous, c'était cool. Bah, tu nous dis quand t'es rentré. Ouais, vous inquiétez pas, bisous. Rentre bien, Emily. Elle est cool, hein. Elle est très sympa. Hey, je connais une streameuse, elle s'est fait ban parce qu'elle a fait une blague sur les nains, frère. Voilà, que je vais même pas réagir à cette vidéo. Voilà. Je ne réagis même pas, frère. Voilà.
Bon, et quoi, je suis censé être MDR en voyant ça? C'est quoi l'intérêt de m'envoyer ça? Je suis censé être MDR là? Je suis censé être mort de rire là? Allez, hop, prends-toi un ban de 24 heures. Franchement, la roue, les gars, je vous jure qu'elle est gentille avec vous aujourd'hui. Hein. La roue, elle est vraiment très, 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 très gentille avec vous, les gars. Je suis choqué. Il y a eu des soirs où elle était, voilà quoi. You here, I guess. It was the weather. Hop. Comment dit-on au revoir à un... Je te kiffe, hein, je t'adore vraiment, mais... Comment dit-on au revoir à un arabe? À un de ces quatre? Allez, toi, hop, voilà. C'est par rapport au fait que... Enfin, j'espère que vous avez compris, quoi. Voilà. Black Friday. En fait, moi, je pense... Après, vous me dites, hein... Moi, c'est mon simple avis. Regarde. Je suis arabe, je peux faire des blagues sur les arabes. T'es un renois, tu peux faire des blagues sur les renois. T'es un blanc, tu peux faire des blagues sur les blancs. C'est tout, en fait. C'est tout. C'est la seule... En fait, on peut faire des blagues. Mais il y a des règles, un minimum. Parce que sinon, c'est cringe, en fait. Personnellement, moi, je trouve ça cringe. À part quand c'est très bien fait. Surtout pas. Allez, c'est bon. Et Hit, qu'est-ce que tu fais, frère? T'as 700 vues avec ça, là? Mais en plus, tu me fais passer pour un youtubeur cancer. Il me fait passer pour un youtubeur cancer, les gars. Ne swipe surtout pas avant la fin de cette vidéo. Regarde là, tout de suite, en bas. Et trouve le mot chat. Tout de suite, je suis à 223 000 abonnés. Oh l'enfoiré, frère, il a cut. Il a cut le moment où je me fous de la gueule des gens qui font ça. Et on dirait que je le fais vraiment. Et 999, donc n'hésite pas à t'abonner pour que tu sois le 224e. Toi, ne swipe... Il veut la fin de ma carrière. Il veut la fin de ma carrière, les gars. C'est cringe! Non mais des énigmes comme ça, c'est bon, il y en a trop dans les shorts et toi tu ne fais que contribuer à cette pollution. Non! 3 ans que je suis sur YouTube, j'ai réagi aux gens les plus cringe pour qu'au final je deviens comme eux. Non. Vous êtes pas content, triplé. Mais il est complètement malade ou quoi ce mec? Mais il a pété un plomb, les gars! Il a vraiment triplé quoi? Triplé de quoi, frère? En plus, il y a eu 2 likes. Vas-y, je te mets... Allez, 3. Voilà, triplé. Si, mais je trouve la solution. Du coup, ça m'énerve. Ah, mais lui, il est premier degré. Lui, il est premier degré. Ça veut dire qu'il a vu ma tête. Il s'est dit, attends, je vais chercher le mot. C'est chat, c'est chat. C'est chat, le mot. Putain. Non, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Franchement, hé, Hit, s'il te plaît, mets pas des shorts comme ça. Les gars, franchement, vous pouvez gagner de l'argent sur Internet sur mon dos. Vraiment, prenez des moments de live, mettez-les sur TikTok. Tant que vous mettez mon lien Twitch, moi je m'en bats les couilles. Mais franchement, mettez-vous bien les gars, mettez-vous bien. Mais s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, me faites pas passer pour quelqu'un de cringe. Copyright, il n'y a pas de copyright les gars. Moi je suis, tant que vous utilisez des TikTok sympas, je vous copyright pas les gars. Alors... Parce qu'en plus, dites-vous que moi, je suis en Belgique, je peux même pas gagner d'argent. Autant que quelqu'un gagne un peu, non? I'm trying to work right now. You order call my... Ça j'ai déjà vu. Les gars, ça c'est ciao. Hein. Ça c'est ciao. Ça c'est ciao les gars. Ça c'est ciao. Hop. Non. Non. Oui. 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 Oh là là. Oh, ça me régale ça. Ça régale. Putain, je devais offrir 5 subs. Ah, je suis mort. Ah, ça me régale. Allez, hop. Allez, je vous fais gagner du temps, les gars. Bon, je vérifie que t'es bien fait tes devoirs. Ok, The B. Je vous fais gagner du temps, les gars. Vraiment, je vous fais gagner du temps. Il a fait tomber le savon sous les douches. Les gars, je vais react à un mec qui react à un mec qui react. On fait quoi, là? On fait quoi? Et à cheval, multicolore.
On fait quoi là? Bienvenue. Bon, les gars, vous me spammez. Ce gars-là, il vous a bien fait rire, hein. Ce gars-là, il vous a vraiment bien fait rire. Hein? C'est ta sœur là-bas? Merci. Le petit. Hein? C'est ta sœur là-bas? Merci. Oui, c'est ma sœur. Il y a moins, je me passe en snap, je passe des zéros. Mais attends, tu crois le snap de ma sœur, c'est zéro? Elle est trop fraîche, ma soeur. Ça se note, c'est 50 euros. Il est dans le business, là. T'es fou, quoi. C'est 100 euros, là. Apprendre ou à laisser. Merci. Ok. Once. Oui. Attends, mais les gars, mais c'est de la prostitution, ça. C'est devenu un bac, c'est quoi, ça? On y va. Je suis mort, frère. N'importe quoi, gros. Eh, vraiment, les... je sais pas ce que vous m'envoyez, mais ça n'a aucun sens. Knoris n'attrape pas le taureau par les cornes, mais par les couilles. Knoris n'attrape pas le taureau par les cornes, mais par les couilles. Chuck Norris a avalé une boîte entière de somnifères. C'est la seule fois de sa vie où il a cligné des yeux. Un aigle peut voir l'écriture d'un journal à une distance de 400 mètres. Chuck Norris peut tourner la page. Chuck Norris a déjà cassé trois pattes à un canard. Les aliens n'enlèvent pas Chuck Norris. C'est Chuck Norris qui enlève les aliens. Un jour, les Power Rangers ont... Mais les gars, on est quoi? On est en 2014 ou quoi? Je vais serrer, frère. On est en 2012. C'est ça? Les gars, les blagues Chuck Norris, on les faisait sur MSN à l'ancienne, frère. Rencontrer Chuck Norris. On les appelle maintenant les Teletubbies. Un jour, quoi? Chuck Norris a dit à quelqu'un, va voir là-bas si j'y suis. Il y était. Chuck Norris a déjà gagné. Les gars, à l'ancienne, sur Facebook, il y avait des trucs, il y avait des pages Facebook. Chuck Norris a déjà cassé la patte à trois canards avec 1 million d'abonnés. Je vous promets, les gars, vraiment, ça n'avait aucun sens. Tu faisais une blague sur Chuck Norris, tu t'en faisais une page Facebook, 1 million d'abonnés, tu la revendais, frère. J'ai fait semblant d'éternuer sur mon neveu, qui déteste tout ce qui est caca. C'est quoi? Ah, tu vas mettre... Ok. Et il veut rendre des comptes, hein? Ah, je t'ai craché dessus. Ah non, je t'ai craché dessus. Il veut que j'enlève. Ah, c'est caca. C'est caca. Ah. Je t'ai craché dessus. Les regards, c'est pour me tuer, frère. Les regards, c'est pour me tuer. Frère, ils ont créé un antagoniste. La vie de ma mère, il va même plus oser faire caca. Même lui, il aura peur de son propre caca, frère. Putain, c'est dingue. Et... Pourquoi il dit rien? J'ai fait semblant d'éternuer sur mon... Non mais les gars, il dit même pas un mot, il est choc-barre, il a pas dit un mot, frère. Par contre, vraiment, le premier regard, c'est incroyable. C'est quoi? Le premier regard, il me fume, frère. Allez les gars, vraiment merci pour cette vidéo, frère, l'arabe du futur. Je te mets un cœur carrément, t'es trop fort. Putain, on a failli la rater en plus avec les trucs de Chuck Norris, hein. On est à deux doigts de la rater. Les gars, mais vraiment, on est en 2014. Vous avez quel âge dans le chat? Et l'arrivée massive de migrants, vous en... Non, mais mec, vous êtes européen. Mais Canal Plus, ils en avaient rien à foutre, frère. Vous êtes européen et l'arrivée massive de migrants vous angoisse? Alors découvrez le premier mur anti-migrant individuel. Quoi? Léger et robuste, il vous permet de vous déplacer sans risque au cas où vous croiseriez des migrants. Élaboré par les meilleurs scientifiques hongrois, le mur anti-migrant individuel vous garantit tranquillité et sécurité. Les gars, premier degré, il y en a en France, ils achèteraient ça, les gars.
Il y en a, ils sont tellement matrixés par BFM et tout. Premier degré, c'est dans le panier. Ils l'ont déjà acheté, les gars. Les alliés. Et il se décline en plusieurs coloris. Je vais le prendre en rose, c'est plus girly. Salut Martine. Salut Gérard. T'as croisé des migrants, toi? Ouais, trois. Comme quoi, ils fonctionnent vraiment bien, ces murs anti-migrants. Le mur anti-migrant, un produit made in Europe. Ah les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vous jure, il y a un monde. On va arriver à ça, les gars. On va vraiment arriver à ça, poteau. Putain, frère. Vous êtes européen? Vous êtes européen et vous avez... Quel monde de ouf, frère. Je vous jure, les Canal+, c'était trop grave à l'ancienne. J'espère qu'il est... voilà. Encore lui! Eh les gars, la vie de ma mère... J'en peux plus. On dirait c'est Granny, frère. Où allez m'a ramené... Il apparaît toujours comme un screamer. Où allez m'a ramené un tiers, regardez. Où allez un tiers de gâteau. Un tiers. Voilà. Oh, quoi? Où allez m'a ramené un... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je viens de regarder, les gars? Qu'est-ce que je viens de regarder? Ah, ça t'apprendra, frère. Ça t'apprendra à crier sur des chèvres. Le Big Share en retour. J'ai perdu mon gland de lait, c'était chaud, frère. Non, mais les gars, stop. Il y a un moment, stop, les gars. Là, je veux dire, faut vraiment avoir des troubles de l'attention, des troubles de concentration pour, pendant un sketch, mettre un truc satisfaisant à droite, les gars. Mais c'est pas possible. Eh, la prochaine génération, mais force à vous, les frères, hein. Mais force à vous. Genre carrément, ça met un truc à côté d'un sketch. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, ça fait 50 000 likes. Ah ouais, force à toi, mais attends, il y a une bagarre là. Mais qui fait ça, frère? En fait, j'allais poser la question, qui fait autre chose en regardant mon live? Mais c'est le but d'un live Twitch, tu vois. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent une série Netflix et qui pendant qu'ils regardent leur série ou leur film, ils swipent sur TikTok. C'est vrai ou pas, frère? C'est vrai ou pas dans le chat? Il y en a qui font ça, c'est sûr, je sais. Je le sais, les gars. Je le sais. Oui. Mais comment vous faites pour être concentré sur la série et sur TikTok? Frérot, tu regardes un film, tu regardes une série, tu restes concentré sur la série ou le film. Tu swipes pas sur TikTok. Après, peut-être c'est moi, je suis bizarre, hein, mais... Oh les gars, ça c'est les vidéos, ça me régale. Franchement, faire croire à des petits que le Père Noël il existe et en fait leur faire comprendre qu'il n'existe pas, c'est la masterclass, les gars. Voilà, c'est ça, exactement. La Fouine, il dit quoi? Il dit je suis sur ton live. MDR, c'est chaud d'être sur Netflix en même temps. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il voulait dire. Attendez, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué que pendant qu'il regardait une série Netflix, vous voyez, genre en mode, quand t'as ton téléphone, tu peux mettre ta série Netflix au-dessus. Genre au-dessus là, tu vois. Il met la série Netflix au-dessus et derrière, dans le téléphone encore, il regarde TikTok. Voilà, c'est ça qu'ils font, les gens. Et là, je me suis dit, vas-y, ça va trop loin. Oui, mais moi, ça marche pas. Ouais, non, mais là, je me suis dit, ça va trop loin, frère. Ça, les gars, c'est trop pour moi, ça. Wesh. Il faut jamais le croire à l'école. Non, frère, ça c'est mauvais, ça, les gars. Ça vraiment c'est mauvais. La ring light, le déguisement, il pue sa grand-mère. Le petit, le pauvre, il est même pas content. Il est même pas content de voir le Père Noël. Regarde, il est dégoûté. Il y a le Père Noël en train de faire de la Zumba dans le plein milieu du salon, frère.
Eh les gars, franchement, vous savez pourquoi j'ai envie d'un enfant ? La seule raison pour laquelle j'ai envie d'un enfant, c'est me déguiser en Grinch à Noël et lui voler ses cadeaux. Et c'est mon rêve, genre juste d'arriver à ce moment-là. Et j'espère que je serai encore créateur de contenu. Comme ça, je le poste sur TikTok et on en rigole, les gars. Vraiment, c'est mon but ultime. Après ça, je pourrais arrêter ma carrière, je pense. Putain, je sais pas où j'en suis. Sale chien. Mais les gars, c'est drôle. Vous allez me dire, c'est pas drôle. Trop malveillant. Mais moi, je vous le dis, hein, je pense que je vais faire que des pranks à mon enfant. Je vais faire vraiment que des pranks. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Demain, 8h. Demain, après-demain, 9h. Ouais, ouais, autant de noirs en équipe de France. Pourquoi il y a trop de noirs en équipe de France? Pourquoi? Ça, c'est parce que l'entraîneur, c'est Deschamps. Est-ce que t'as une blague à me raconter? Ouais, j'en ai une. C'est quoi? Pourquoi c'est bien de sortir avec une SDF? Hein? Pourquoi c'est... Les gars, désolé, mais le début de la blague, il est problématique, wesh. Le début de la blague... Je connais même pas la suite, frère. Regardez sa tête, on sait déjà... Lui, il va abattre. Juste à sa tête, on sait très bien qu'il va abattre, frère. Une blague à me raconter? Ouais, j'en ai une. C'est quoi? Pourquoi c'est bien de sortir avec une SDF? Pourquoi c'est... Je sais pas. Parce qu'à la fin du rendez-vous, tu peux la déposer n'importe où, frère. C'est un gamin. La vie, c'est un gamin, frère. Enfin, il est fier. Hein. Je vous jure, il est très fier de sa blague. C'est vraiment un gros chien. Bonjour, bienvenue chez Mathéo Matelas. Vous cherchez un matelas? Non, je vais prendre un poulet rôti, s'il vous plaît. Oui, un matelas. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez comme matelas? Alors, je sais pas vraiment. En fait, moi, j'ai du mal à dormir. Sont plutôt ferme. Peut-être, oui, j'aime bien quand c'est un peu ferme. Tout moelleux. Bah, c'est dur de savoir. En fait, moi, j'ai jamais vraiment voulu essayer celui-là. Je peux m'asseoir dessus? Allongez-vous. L'important, c'est de se détendre. Faites comme je suis. Merci. parce que vous me détendez, vous. Ouais, si vous pouviez juste partir, je vous laisse vous détendre. C'est bien le matelas. Oui, il est pas mal, je peux en essayer. Je vais vous mettre un peu d'huile essentielle pour vous détendre. Ça sent bon, c'est l'huile de quoi? De mes couilles. Hein? C'est quoi? Le syndrome des grasses couilles. Et il est fait en quelle matière le matelas? Je sais pas. Ah bon? Je travaille pas ici. Hein? On passe un bon moment. Mais vous m'avez dit que... Bonjour. Fuyez. Merci. Je voulais juste améliorer la qualité de mon sommeil. Détendez-vous. Les gars, il est où? Il est où le magasin? Il est où le magasin? J'ai besoin d'un nouveau matelas, les gars. Les gars, j'ai besoin d'un nouveau matelas. Il est où? C'est mon chat, il va ressembler à ça, plus grand. Regardez. C'est le même. Oh. Mais non. Regarde, c'est toi, plus grand. Wesh. Tu veux quoi, frère? Il veut quoi, frère? Bon, même le chat, il a trouvé ça nul, les gars. Hein. J'ai essayé, pourtant. Au moins, il vous dit bonjour, regardez. Bon, bah il a rien à vous dire, malheureusement. Il a vraiment rien à vous dire. Hop. Ah, le pauvre. Bon, par contre, il m'a dit de tourner la roue. T'as le nombre d'onglets que j'ai, frère.
La fin, au moins, tu veux vraiment qu'on regarde la fin de ça? Non. Non, le VIP. Non. Frère, je vais offrir 5 subs. C'est moi qui ai offert le plus de subs de du mois, frère. C'est moi qui vais offrir le plus grand nombre de subs du mois, frère. Ça n'a aucun sens. C'est ma chaîne. Je perds de l'argent. Personne n'a... Il y a personne qui offre 5 subs ici. Même personne. Personne offre des subs, frère. Franchement, je vous le dis, je suis le streamer avec plus de 200 viewers qui a le moins de subs de Twitch. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. Les gens, ils veulent pas se sub à moi. Les gens, ils veulent pas se sub. Genre, en fait, ils arrivent sur ma chaîne, ils sont en mode... Non. Non. On va pas se sub à lui. Les gars, on est 600. Ok, on est 600. Les gars, j'ai 70 subs. Mais vous savez ce que ça représente, 70 subs? C'est 100 euros. Les gars, je gagne 100 euros par mois sur Twitch. Je gagne 100 euros par mois sur Twitch. Et là, je vais dépenser 20 balles pour vous offrir des subs. Non mais il y a un moment, les gars, c'est quand même une dinguerie. Et je perds de l'argent, moi, sur cette plateforme. Merci Tony Paf, quand même, pour ton sub, frérot, ça me fait plaisir. Il a eu pitié de moi. Tony Paf, merci mon ref. Il a eu pitié, il s'est dit, vas-y, c'est quoi, c'est... Je me sub, le pauvre. Regarde la fin, s'il te plaît. Ah, c'était la fin, vraiment? Tu veux vraiment... Allez, tu sais quoi, Je l'ai regardé, mon gars. Mais tu supportes Maid, donc t'es un vrai gars. Le doigt, il est tordu des... Les gars, vous êtes plus qu'accord ou Gentlemates? Gentlemates. Il est tordu des baisers. Le doigt, il est bien tordu. Les gars, mon doigt, il est normal. Mon doigt, il est super normal. En quoi mon doigt, il est tordu, wesh? Mettez pas mon doigt en pépé. Je vous connais, mettez pas mon doigt en pépé, hein. Les gars, faites un compte qui s'appelle les clips de 42 Malek, comme ça, après, je buzz. Si vous voulez, là, je vous fais un clip tout de suite, là, rien que pour vous. Je vous mets dans l'ambiance. Donc, si vous avez une passion, faut jamais lâcher, les gars. Parce que si tu manges comme ça, après, tu pourras plus le retrouver. C'est pour ça que les chiens, ça existe, les gars. Les chiens, ça existe, c'est pas pour rien. Comme... Parle aléatoirement, frère. Ah ouais, vous êtes plus mates. Les gars, moi, en vrai, je pense que je suis vraiment le seul gars qui aime K-Corp et Gentlemates. J'aime K-Corp et Gentlemates, les gars. Dis, chérie, pourquoi est-ce que mon papa touche mes fesses la nuit? Allez, hop, les gars. Dis-moi, tu veux quoi comme coupe? Une basket. C'est parti, let's go. Bon, voilà, je te montre ce que ça donne sur les côtés. Qu'est-ce que tu penses de dégrader un peu comme ça? C'est stylé? Ouais. Bah écoute, merci à ta mère, fais confiance. Pourquoi on n'ose pas dire non, frère? Pourquoi à ce moment-là, on n'ose pas dire non? C'est le moment, les gars. C'est le moment où on est un homme, tu vois, on est une femme accomplie et on peut dire non, j'aime pas. J'aime pas, frère. Dis-moi, faut quoi comme coupe aujourd'hui? Un biscuit. Biscuit? Ouais. Carré, mon gars. Est-ce que t'es prêt? Ouais, c'est parti. Hein. Let's go. Voilà, mon gars, on a fini. Ouais. Ça va? Alors mon gars, là, le skate au-dessus, on a fait le taper, gauche, droite, petit contour devant, et tu le vois. Incroyable. Oh lui, on l'a jamais vu, wesh. Mais on dirait c'est le pire, non? Pourquoi on l'avait jamais vu, lui? Les gars, lui, on l'avait jamais vu, mais c'est quasiment le pire, genre. C'est une dinguerie. Par contre, à chaque fois, il sourit. Hein. Non mais lui, c'est un antagoniste, les gars. Dis-moi, tu verras. Non, c'est une dinguerie, gros. Ah non, c'est une dinguerie, les gars. Je connais. Hop. 5 likes, 11 commentaires. Les gars, c'est la vidéo à qui ça dans le chat? C'est la vidéo à qui dans le chat? Allô, frérot, tu dors? Really, nigga? Wesh, putain, en plus ça lâche le N-word, frérot, je vais péter mon crâne. Je vais vraiment péter mon crâne, les gars. Ok, maintenant vous allez... Je vais vraiment péter mon crâne, frère. Ça a lâché le N-word au calme. Là, j'ouvre mon frigo, le premier truc sur... Je connais aussi. Ça a vraiment lâché le N-word au calme, là. C'est une dinguerie, frère. Vraiment, c'est une dinguerie. Hein. La roue, allez. Je suis d'accord, les gars.
C'est une blague, c'est une blague. C'est totalement une blague, les gars. Il n'y aura pas de roue, il n'y a rien du tout. Oh putain. C'est une dinguerie aujourd'hui. C'est une dinguerie. On a les Arabes. C'était lui depuis le début. Wesh, il y a zéro like. Il y a zéro like, zéro commentaire, vraiment. Faut pas couper chez les Arabes. Les gars, il est en train de se venger. Ah, c'est fort. Vraiment, c'était fort. Putain, zéro like pour ça, là. Tu mérites plus, hein. Hello, guys. Ça y est, arrêtez de m'envoyer vos top 5, les gars. Je peux plus de vos top 5. Sans Twitch, je suis en train de vendre des gaufres. Plein Avenue Louise à Bruxelles, pour ceux qui connaissent. Spider-Man, stop à train. Ah ouais? Le fil. Le fil, il sort d'où, les gars? Le fil, il sort d'où, les gars? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde, les gars, vraiment, hein? Où est-ce qu'on est, frère? Il fait des filets avec son sgeg. Il est revenu des morts pour recrier. Il est revenu des morts. T'es mort. Les gars, moi je pleurais comme ça quand j'étais chez Carrefour et que je voulais un jouet ou des bonbons. Je pleurais pareil pour que ma mère elle m'achète quelque chose, frère. Avant c'était pareil. Akatsuki wa tsudotta. Konan. Itachi. Hisame. Sasori. Ah, cassage de crâne, frère. Ah là là, les gars. Honnêtement, les gars, on a vécu des pires, hein, c'est de ne pas rire. Hein. Je vous le dis. Hein. Buzzcut, le Meds. Bonjour. Les gars, je vous le dis. Ok. Les gars, en mars. Regardez, mes cheveux, ils sont bien longs. Hein. Vous avez vu. Tout le monde a vu. En mars, si j'ai 800 subs. On va beaucoup live en mars, ok. Si j'ai 800 subs. De tout le mois, je vais au pire coiffeur de Bruxelles, celui qui a 0,5 sur 10. Vraiment, les gars, je cherche le pire coiffeur de BX et je fais une vidéo YouTube où je lui demande une buzz cut au mec le pire coiffeur de BX, frère. Voilà. Bonjour, petit. C'est le seul sub goal depuis 2 ans, frère. Il y aura un sub goal, ce sera celui-là. Comme ça, vous allez me laisser tranquille. Et mes cheveux, frère, les gars, mes cheveux, ça fait 5 mois. Mes cheveux, ça fait 5 mois que je les ai, les gars. Ça fait 5 mois que je les fais couler, je les fais pousser, tout ça, parce que j'ai quelque chose à faire avec. Donc, on va monter à 1000 subs carrément. Bonjour. Petite vidéo pour vous montrer qu'on peut changer de nationalité en un claquement de doigts. Là, je suis mexicain, et là, je veux être turc, là, je veux être anglais, et là, je suis. Alors. Alors. Ça va? Ok, t'en fous. Un petit basket. Un petit dégradé bas. Taper des gens, éviter de me faire taper des gens, et prendre un peu d'osé et aller à la maison. Oh shit, here we go again. Mais en fait, déjà, juste au début de la coiffure, tu captes que c'est fini.
Ah non, c'est terrible. Hein. C'est terrible, les gars. Voilà, mon gars. Les gars, oubliez le sub goal, je vais garder mes cheveux, je vais garder mes gras dondés bien, bien comme il faut, tout ça. J'ai pas envie de faire cette coupe. C'est vraiment. Wesh, mais ça peut partir comme ça des dents. Les gars, ça peut partir comme ça des dents. Putain, j'ai trop peur, chat, je dois me faire enlever les dents de sagesse. Frérot, j'ai bientôt un enfant et c'est la fin de ma vie, je dois enlever mes dents de sagesse, frère. À quel moment? J'ai plus l'âge pour ces conneries. Qui a enlevé ses dents, les gars? Voilà, t'es foutu. Arrêtez, me dites pas ça, les frères. Je dois le faire en local, les gars. Mais t'as 17 ans, frère, j'ai 26 ans, gros. J'ai 26 ans, là. Dans deux mois, j'ai 27. J'ai le gars passing d'année, frère. Horreur. T'es mascaille derrière, MDR. Oh, le petit chat! Mais tu crois, on te voit pas, toi? Oh! Wesh! Eh, la vie, il est insoutenable, celui-là. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que hier, il a sauté, il s'est retrouvé là. Il s'est retrouvé au-dessus de moi, les gars. Il y a un monde où quand on va faire le jeu d'horreur, ça va être lui le screamer, les gars. Ça va être lui le screamer, les gars. Spider 4. Madame Lemaitre va bien. Madame Lemaitre va super bien, les gars. D'ailleurs, Madame Lemaitre, elle a enlevé ses dents de sagesse, les gars. Putain, j'ai trop le seum, frère. J'ai vraiment trop le seum, frère. 26 ans avant d'enlever mes dents de sagesse, je suis qui? J'ai rien contre les Pokémon, à condition qu'ils restent chez eux. Parce que quand ils viennent... en France pour piquer les allocations familiales... Pika allocations familiales. Même pas foutu de parler français. Moi, je ne veux pas de Pokémon chez moi. Ils répètent en boucle, on n'est pas des voleurs. N'empêche que quand il y a des voitures qui sont brûlées, c'est les Pokémon. Ceux qui vivent avec des Pokémon, de toute façon, c'est par intérêt. Hein. Moi, j'ai quelques amis dresseurs de Pokémon, je peux vous dire, ils vivent bien, très bien. Hein, ils roulent pas en kangou, les gars, quoi. Mais là, c'est bon, ils peuvent rentrer chez eux. On se sent pas en sécurité avec eux. Toujours à se battre. Salamash et tout, c'est bon, là. J'ai rien. Mais attends, il a perdu la boule. Téma, sa pose, il fait l'autruche. Son crâne, il est planté dans le sol. On dirait un bec de texture. Une chute tout droit sortie de l'âge de glace. Oh non, tu vois ça que dans les dessins animés. Allez, stop. Mais Téma, sa pose, on dirait un tic-tac. Le poteau, il est en demi-portion, on dirait un mignon. Téma, la vitesse, l'impact. Mais en vrai, de vrai, il s'est fait balayer par quoi? J'ai du mal à discerner la chose en question. C'est tellement flou, on dirait un cauchemar. C'est flûté comme dans les émissions télévisées. Qu'est-ce que je dis? On dirait un filtre Snap. En plus, avec une vitesse, t'as peur. Ils ont réussi à filmer une vraie balayette laser. La balayette laser originelle. En plus, sur la neige, j'ai un boost de vitesse. Tous les éléments sont bons. En plus, le timing, il est parfait. Un vrai strike. Quand on retourne l'image, on dirait la tête dans le plafond. Premier degré, il a dû attraper un torticolis sévère. C'est ça, lui aussi. Il faut qu'il garde la tête sur les épaules. Il veut pas écouter. Attends, on va guetter le script. Jamais de la vitose. Envoyer un tacle glissé à ton daron pour 1000 euros. La tête, si moi je suis le daron, j'enlève ton blaze du livret de famille. Tu es officiellement déclaré traître et déserteur à la mère patrie. Et tu seras inscrit au registre des pires criminels. Les gars, il est trop fort, lui, wesh. Mais c'est qui la suite, gros? Il est trop fort. Il s'est fait littéralement éteindre. Les poteaux, il est... Ah, les gars! Ah, il est trop fort! Commotion cérébrale, ça veut dire son cerveau il est off, ça veut dire elle est en mode veille. Mais Téma, la puissance de frappe, le calibre qu'il y avait dans la balle, le lanceur il voulait vraiment abattre l'ennemi, non, lui il est là pour éteindre. Chacun il était trop impliqué dans le lancer, ça se voit il a mis du one for all. Mais Téma, le poteau il tombe KO, il a assommé, il lui a envoyé un missile téléguidé dans le crâne. Mais non, c'est pas du jeu, le poteau il joue cancer, tu peux même pas construire. Comment il a allongé, ça se voit il est parti loin, il est parti vers l'infini et l'au-delà. Chacun il y a longtemps, il a changé de multiverse, il est parti en mode
mode Lego. Il a relancé notre game carrément. Sérieusement, les G, story time. Fut une époque où je faisais du foot. Oui, oui, t'as bien entendu, je faisais du foot. Comme tout bon runner qui se respecte. Lors d'un match, je me suis pris une balle dans le crâne. Sinon, ce serait pas drôle. En plus, comme j'étais attaquant, je me suis pas pris n'importe quelle balle. Je me suis pris la balle du dégagement, le plus terrible. Ça m'a déconnecté de la réalité. Je chantais plus ma tête. Oh non, je m'en souviens, j'avais un big coca. J'ai fini aux urgences jusqu'à. Là, les gars, il débite, mais combien, frère? Il débite combien de temps? Wesh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. J'ai jamais vu ça. Bonjour tout le monde. Bonsoir, le med. Très content d'arriver ici. Je me tape de bonnes barres sur tes vidéos YouTube. Merci, 12-12 Loïs. 12-12 Loïs. Merci, frérot. 3 heures du sbar, les gars, c'est pour vous dire que c'est pas des lol. Ah, les gars, il est chaud. Ah, les gars, la vie de ma mère, il est chaud, ce mec. La vie, je vais le follow. Voilà, c'est bon. Je l'ai follow. Bon. Le fils d'un couple était littéralement en train de creuser. En fait, je suis carrément dans le react aujourd'hui. Hein. Je crois que ça fait tellement longtemps, on n'a pas react. Était littéralement en train de crever sur place. J'ai jamais fait autant de vidéos. Regardez les onglets que j'ai au-dessus. Je suis clairement dans ça, les gars. Hein. Oui, vas-y, oui, oui. Je suis clairement dans ça, les gars. Tu dois faire le live horreur, sinon t'auras pas le temps. Les gars, vous inquiétez pas. Juste, je sais pas quel jeu je vais lancer. Brissel, il y a trop d'œufs. Comment vous dire? Vas-y, je t'en prie, t'es le premier. Il y a trop de noirs. Allez hop, recherchez-le, les gars. Recherchez-le, en plus c'est à Bruxelles, frère. Comme pas. Pourquoi les Belges? Pourquoi nous, les Belges, on est comme ça, frère? Tu peux faire chauffer le four, s'il te plaît? Vous avez compris? J'ai pas compris, moi. Si... Gênant. Les gars, vous avez compris? Elle drague le four. Pourtant, elle faisait des bonnes blagues, non? Je sais pas, je suis déjà tombé sur des vidéos d'elle qui étaient drôles. Allez, hop! Reste pas à toi, GG. GG, well play. Bon, les gars. Hi, my name is... Je me suis sub, sois sympa. Eh ben, on va regarder ta vidéo. Winstead, I'm 17 years old. Mais non, Sirayz! Merci pour le sub niveau 1, frérot! Un nouveau sub dans la communauté. Merci beaucoup, Sirayz. Enfin, si. Je dis Sirayz ou Kirayz? Merci, frérot. Frère, je suis d'accord, tu t'es sub. Mais Axelou, s'il te plaît, respecte-moi, frère. M'envoie pas ça, frère. Hop. Voilà. Les gars, le meilleur, c'est quand tu cliques au hasard. Dégradé bas. Oui. Chest. Makina. What is Makina? Les gars, ça sent mauvais. T'arrives chez un coiffeur. Il te lâche un blast que tu connais pas. Non, les gars. C'est quoi Makina? What is Makina? Il répond pas. Mais pourquoi j'ai pas toutes ces refs? En fait, je crois que j'ai trop joué à League of Legends ces jours-ci, les gars. J'ai trop tué League of Legends. Carrément, j'avais même pas la ref de la post cut, ni la ref de Makina, j'avais rien du tout, frère. C'est fini les waves, là. Non, j'ai rien dit avant qu'il me frappe. Il est un peu tendu, le frère. Yes? Yes. Puis on est bien s'il nous met du truc et tout. Petit soin. Les gars, j'ai juste envie de savoir la j'ai envie de savoir le résultat là. Makina, les gars, il va lui faire la coupe à Femi Mars. Allez hop.
Boula Z. Mais c'est un filtre, bon, là. J'ai pleuré. Oh non. Finish. Les gars, en vrai, c'est pire ça ou la buzz cut. Si vous devez choisir entre deux coiffures, buzz cut ou Makina. Les gars, vous êtes des malades ceux qui disent ça. Les gars, ça, moi j'ai déjà été rasé à blanc comme ça, minimum 5 mois. Hein. Pendant 5 mois, t'es comme un sang. Buzz cut, au pire, dans deux semaines plus tard, tu revas chez le coiffeur, il te refait ton dégradé, c'est fini. Hein. C'est de ouf. Je préfère largement ça, mais t'es un ouf. Frère, pendant 5 mois, tu dois assumer ça. Makina, frérot. Very, very nul. Merci, thank you. Very, very nul. 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 Merci. Ah, je suis mort. C'est plus Makina, c'est Miskina. Ah, je suis mort. Dis-moi, tu verras comme coupe. Oh putain, frère. Vraiment, oh, c'est quelque chose, les gars. Carrément, il paye pas. Mais qu'est-ce qu'il va payer pour mais ça? Tatakae, quoi. Mais Tatakae, quoi. Mais ça enchaîne, là, carrément. Dis, Mininours, pourquoi il y a une fenêtre qui est nickel et une fenêtre qui est toute brinque-volante? Depuis que les chasseurs ont attaqué l'école, nous avons fait appel à des ouvriers pour réparer leurs méfaits. Et c'est une superbe occasion pour moi de montrer les différences entre un travail bien fait. Waouh. Et un travail mal fait. À savoir un travail d'arabe. Wesh! Mais c'est quoi ce petit nounours là qui nous insulte tout le temps? C'est qui ce petit nounours raciste? Il passe où ce chien? Je le vois partout ce mec, j'en peux plus. Lâche les arabes. Wesh, les gars, franchement, faut faire quelque chose pour ceux qui activent leur micro en game. Allez niquer vos mères, frère, ça y est. Il y a un moment, vous savez, vous avez un micro en carton, frère. Vous allumez votre micro, ça y est, frère. Ne parlez même pas, en fait. Si, mec, le micro, il a de la latence, carrément. Ah, c'est grave. C'est une dinguerie, frère. Vraiment, c'est une dinguerie. Les gars, j'ai commencé à jouer à Helldivers 2. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat. Tout va partir. À la fin, c'est pour m'abattre, frère. Non, par contre, vraiment, le daron, c'est un chien, ce mec. Les gars. Le daron, c'est un énorme chien, c'est pas possible. Il est en train de filmer son fils qui se pète le crâne sur le sol. Il rigole. À la fin, il rigole, wesh. Non, c'est une dinguerie, ça. Le fils a le med. Non, non. Les gars, moi, je vais m'habiller en Grinch. Je vais m'habiller en Grinch. Je vais faire peur à mon fils, mais je vais pas lui faire ça, frère. C'est quand même une singerie. Les gars, on a battu le nombre de records d'onglets ouverts. Donc déjà, félicitations à tous. Félicitations à tous les gars. Wesh, mon chat, pourquoi tu m'attaques? Là, je sais même pas comment ça se fait que mon PC, il crame pas, frère.